ndenge nini kosala pona kobenga Congo na benga Congo. L'heure ozana Congo mikili, cliquez l'icône place bakomi, appelez le Congo à moins cher. Sima, créez compte na yo, pe kotisa mot de passe na yo. Simanango, cliquez l'icône place bakomi, acheter. Enfin, pour un montant, il y a carte Oyo Olingi. Mbala moko, unité Eko Zala recharger na compte na yo. Okoki kobenga à partir ya téléphone portable, to ya téléphone fixe. Nga si na ba benga nga na benga Congo. Na somba sombela nga pe na carte ya benga Congo ba benga nga na lemba li solo. Nga moro na ye. Na sombi benga Congo. Na solo li. Na resololi. Na sololi sololi sololi. Pona mituna to mindondo, benga biso na 001 514 700 2199. O lingi ko benga Congo, bengacongo.com. Congomikili.com et Memeli Bino, promotion Asika, live depuis Kinshasa. Ozana matanga, mariage, to fête na Kinshasa. O lingi mokili mobimba et vivre yango na impact à travers Congomikili.com, site à Gaillard. Benga biso sikoyo, toko filme yango ya mobimba. Puis toko lakisango na Congomikili.com en un temps record, s'il vous plaît. Toko kipe kotine la yo DVD yango de manière privée. Pour na ba renseignement, benga biso siko poto développé na 0015 14 700 2199 et 0033 970 405 604. Promotion live depuis Kinshasa. Makambuya tant oyozana tant. L'analyse du jour. Bonsoir et bienvenue à l'analyse du jour. Trois sujets intéressants pour ce lundi 10 août. Nous avons le premier sujet, Tomona Kibisonyo So, à l'internet, qui est Réunion et Dalaki, en Belgique. C'est que il fallait aller en diaspora congolaise. Il y a certaines personnes qui peuvent discuter pour savoir que Batbaza pour ou contre dialogue Bapé Sabargument à Bango. Mais curieusement, tout le monde dit qu'on dirait que Kabila est Belgique parce qu'il y avait un dispositif militaire grave dans la salle Luana au passage 44 à Bruxelles. Et en plus de ça, il y avait environ une dizaine, une quinzaine des Congolais qui marchaient contre. Mais tout le monde a marché contre Kabila à Paris, Kala, parce que Kabila à Bruxelles, il y a des combattants qui marchait contre cet événement Wana Oedra qui ouvert à tout le monde que Pekokota Opesa Avinayo sur pour ou contre et pourquoi pour discuter Bosilana na ba argument au lieu na Bitumba. Donc maman Julie à partir des États-Unis une fois de plus aux Zongi, on dirait que yo ponaka ceux qui m'ramboyindi mais aux Zongi. Bonjour à tous les auditeurs de Congo Mikili, c'est un privilège. Vous savez, nous travaillons beaucoup et ce n'est pas facile de combiner le travail, la vie professionnelle, la vie familiale et tout. Alors, bon, c'est pas que ce qui est tout un événement que tout y a, mais c'est juste quand on pense qu'on peut contribuer sur un point ou un autre. C'est la raison pour laquelle on vient, mais on est de cœur avec tous les analystes, Congo Mikili, Tozali, Tokimate, Tokolongwate, Tozali. Mais seulement, vraiment excusez si on ira, et merci pour les commentaires, et on va essayer d'analyser encore aujourd'hui, on va donner notre opinion, et bon, on va lire les commentaires encore, et si vous avez des remarques, écrivez, et si vous avez aussi d'autres éléments à ajouter, on va lire dans les commentaires encore. Merci Congo Mikili pour cette opportunité. Ok. Maman Julie, par rapport à sujet de l'Iboso, ma canisinaïo est un nini par rapport à ma kamoto comme mon na diaspora et comme divisé. Ok. Bon, comme toujours, j'essaie d'être bilingue, hein, le balinga en français, pour mettre un peu tout le monde à l'aise. Je sais qu'on a des auditeurs en français en lingala, donc comprenez un peu. Alors, on va recontextualiser ça, pour ceux qui peut-être n'ont pas suivi, il va dire ça au début. Il y avait un groupe de sympathisants IDPS.
je ne sais pas si ce sont les membres hein, de l'UDPS, mais bon, dans ma vidéo, tout le monde est là, sympathisant à l'UDPS, et les pro-dialogues, hein, bah, moi, bah, partisans à dialogue, ils ont convoqué une réunion à Bruxelles, ils ont dit une grande réunion, et ils se sont basés sur deux éléments. Tshisekedi, le président élu, il a convoqué le dialogue comme ultime alternative. Fotoyato sont là parce qu'il y a du bruit, il y a des pour et contre. Alors, ils ont fait cette publicité-là, disons, le 8 août, Boya, il y aura aussi des musiciens qui vont jouer. Ils ont dit, disons, ils ont artistes engagés. Bon, on ne sait pas engagés dans Nini, mais, bah, bah, qui qu'est, bah, Kubeta, et Tshisekedi, Akouya, Akouluba, bah, qu'on posait ma question sans tabou. Alors, il y a un autre groupe aussi qui sont des anti-dialogues. Hein? Bato, bah, Télémélie Dialogue, Bango, et ils ont décidé, ils avaient décidé de boycotter l'activité. Alors, toute la semaine, tout le monde a équipé ma vidéo, bah, tout le monde a dit que tout le monde a boyaté. Bon, beaucoup ont dit tout ce qu'ils avaient donné comme raison, mais ils se sont basés sur le fait que Tshisekedi est collabo et que le dialogue égale au glissement. Alors, quelle est mon analyse sur ce point-là? Premièrement, je vais poser quelques questions sur base de trois faits. Premier fait, le dialogue, on a présenté cette manifestation comme étant un dialogue autour hein, de Tshisekedi, qu'il serait là, il serait l'invité phare, néanmoins l'artiste phare aux Alana. Mais je n'ai pas vu, à part le clip que Congo Mikili a montré, bon, je ne sais pas si c'est 2 minutes, je ne sais pas trop combien de minutes, où il était assis, apparemment on l'avait trouvé déjà assis. Est-ce que c'est réellement là à l'hôtel Passage 44 ou c'est dans une autre salle? Ça, on ne sait pas vérifier, mais on a vu cette image en Congo Mikili et dans d'autres médias aussi qu'il était assis. En fait, c'est à Congo Mikili qu'on a vraiment vu, tu sais qu'il est assis. Et puis il a parlé, tout le monde a entendu, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit. Mais on avait dit quoi? Qu'il serait à la salle. Vous voyez déjà, on a menti, hein, Balobi qui est à la salle, mais il a quitté parce que Tomonier n'a salté Tomonier quelque part. Donc déjà, côté Anna, c'est déjà un feu rouge là. Deuxième élément, on a dit, on va parler, c'est un dialogue ouvert. Tout le monde va venir poser des questions tabous. Mais je ne sais pas, rattrapez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous avez vu une seule vidéo où on a montré le contenu de ces conversations-là. Apparemment, Bakangaki, c'était son caméra. Apparemment. Les quelques clips de 2-3 minutes au Ebimi na YouTube et na ba site Misusu, c'est seulement une personne qui parlait, mais on n'a aussi même pas vraiment montré la salle. Bah, la Kisika Kama, une petite image là, on avait fait une restriction des médias. Alors, pourquoi on a restreint les médias? Si on avait dit que Boya, Babengaki, Toya, si j'habitais la Belgique, j'allais aller, hein, écoutez, heureusement je n'habite pas là-bas, mais comment? Pourquoi on n'a pas permis aux gens et aux médias d'être là et de voir. Y avait-il quelque chose à cacher? Bino n'a pas répondu. Alors la troisième question, eh bien, quelle conclusion a été tirée? Parce que tout le monde a la réunion, il y a toujours un speech, un discours à la fin, conclusion, tout tiré, parce que vous voyez, le départ, c'était quoi? Boya Tosola, Bamakambo Ezali, sujet à dialogue ou pas. Et à la fin, en tout cas, poliment, on devrait, puisque les gens qui ont répondu et les gens, les sympathisants, Bazala Mambo Ramsous Bayakite, ils pouvaient au moins savoir un peu le compte-rendu. Mais je n'ai pas vu une vidéo où on a donné le compte-rendu, il y a ce qui s'est passé, on a mis, hein, parce qu'il s'agissait à commettre les points sur les i, je n'ai pas vu une vidéo où Lakisaki, voilà, Tolobi Boye, Tobandi Boye, Tosuki Boye, conclusion, on a vu ce dialogue, et ça bien ou Ezamabe. On n'a pas vraiment vu ça. S'il y en a, bon, postez ça sur Congo Mikili, je vais lire, mais j'ai regardé par-ci par-là, dans mon Niangote. Voyez les trois faits que je vous ai présentés dans mon analyse pour tirer cette conclusion. Premièrement, la conclusion que j'aimerais tirer, je ne suis pas, comme je dis, je n'ai pas le monopole, mais je suis en train de présenter les faits, binomo robot tala, binomo robot jugé, pour répondre. Pour moi, c'est un signe d'abord de désorganisation. Premièrement, désorganisateur. Parce que même si l'intention était bonne, Ata Ezalaki et Lokwa Malamu, mais le fait déjà que la fin, Ata, il y avait des opposants ou pas, mais la fin, vous n'avez pas dit aux gens, Bolobina Batute, qu'est-ce qui s'est dit? Comment on a conclu? Tozu Kompomini. Vous voyez ça? Et Ata Bozalaki n'a aidé à Malamu, intention Malamu, mais le fait que vous organisez un Malamu, et ça lui m'a bé. Et deuxièmement, c'est un signe mauvais à fissure dans la diaspora. Vous dites qui a gagné, qui a perdu. Je reviendrai ça à répondre peut-être un peu plus tard. Mais la fissure que ça a montré, que la diaspora est maintenant divisée, puisque aujourd'hui, il y a un camp dialogue et un camp
non-dialogue. Mais moi, je me pose la question, le camp dialogue, est-ce que c'est vraiment les membres de l'UDPS qui continuent à pousser ça ou ce sont des opportunistes qui veulent utiliser le nom et la personne de Étienne Tshisekedi comme un fonds de commerce? C'est-à-dire quoi? Je m'explique. Qu'il y a un groupe de gens, et bon, dans quelques vidéos que j'ai vu des gens que j'ai identifiés comme des membres de la plateforme de Rex Kazadi qui étaient partis au Congo. Et il s'est présenté comme responsable d'une plateforme et j'ai vu des têtes d'affiche dans ce soi-disant, cette soi-disant réunion-là. Alors, est-ce que ces gens-là, réellement, ils partagent l'idéologie du dialogue à la Tshisekedi ou bien ils ont utilisé l'idéologie à dialogue comme Nzela Mukuse, pour Bango, Balingiba, Bamonique, hein, cette voie-là va leur permettre, hein, opportuniste, wana, groupe, wana, que ce qui dit, c'est qu'il y a commis Bango, Peba, Koma, donc utiliser ce nom-là comme un tremplin. C'est la question que je pose. Parce que là, maintenant, vous ne pouvez pas me dire que Tshisekedi populaire se fasse protéger par la police de la Belgique. Ce n'est pas lui qui a demandé ça. Et je ne pense même pas qu'un membre de l'UDPS est au courant de ça. Ce sont ces gens-là qui voulaient défier. Mais est-ce qu'ils voulaient réellement défier parce qu'ils ont vraiment l'âme du dialogue? Est-ce qu'ils ont vraiment le cœur du dialogue? Ou bien Balingui va passer en force parce qu'ils voient et vivent à Bango et Kobunga, Soki, Mutuana, Komi, Sikana? Donc, ils veulent utiliser seulement cet argument-là comme leur fonds de commerce, leur tremplin, sans pour autant avoir réellement l'esprit-là, initiateur, il y a dialogue. C'est la question que je pose de ce mot-là. Parce que je ne peux pas comprendre, sur base des différents faits, qu'il y a des gens qui sont dans des vidéos, par exemple, Seka, Keto, Saki, Bango, police et Kozala. Et ils rient, hein, ils rient, ils sont gays. Mais la police est venue pour qui? Bon, et j'ai parlé du camp dialogue. Est-ce que c'est réellement les gens de l'UDPS qui ont forcé ça? Ou ce sont ces opportunistes-là qui veulent utiliser Étienne Tshisekedi et son nom et cette image du dialogue comme un tremplin, un fonds de commerce pour leur permettre de monter? Point d'interrogation. Eh bien, si vous voyez alors le camp anti-dialogue, on dit que ce sont les pro-Nguanda Pareko. Mais il y a aussi des ténors que j'ai vus dans certaines vidéos. Bon, permettez-moi de citer un quelqu'un comme Bambema Sombo. Je n'ai jamais entendu où il s'est prononcé comme quelqu'un de la Pareko. Alors, est-ce qu'on peut identifier réellement les anti-dialogues comme les pro-Apareko? Ce sont deux questions que personnellement, moi, je ne peux pas ici affirmer que les pro-dialogues que nous avons vus dans ces vidéos-là sont réellement dans l'âme de l'UDPS, tout comme je ne peux pas aussi affirmer que ceux qui sont allés, les 10, 15, quel que soit leur nombre, que Bazalaki, Batindaki, Bangona, na, Apareko, je ne peux pas affirmer ça. Mais ce que je peux affirmer ici, qui a gagné, qui a perdu, avec certitude, je peux vous dire clairement, Nani a perdu, c'est Étienne Tshisekedi. Pourquoi? Je m'explique. Parce que, regardez très bien, mes amis. Lorsque l'image est passée, il y avait des blancs qui ont filmé, il y avait la police. Bah, policiers n'y ont pas bayer en la manifestation, sachez-le. Bazar en la caméra. Il y a aussi des agents des services secrets dans le pays où on a bazar en la carte, il y a des policiers où on a. Bah, film à rabozo, mon aïe, carabou, mais bon, évitez que n'a pas uniforme na bango, parfois n'a pas casque na bango. Bazan na ba caméra, bazo ko filmer nyonso, bazo ko yoka nyonso. Et ba image wana, dès que la manifestation termine, ba kenda na ba bureau, na ba on faire ce qu'on appelle le débriefing. C'est-à-dire quoi? Ko analyser image par image, seconde par seconde, on appelle cliché par cliché. Et l'image que Tshisekedi avait, au départ, c'était que c'était le leader Maximo qui soulevait la population, qui soulevait aussi la diaspora. Mais aujourd'hui, l'image que Bino Bazo Bozolo Baketo gagné, Dao Bozo Baketo Polisi Bango, bo ébité, bo fissuré de Étienne Tshisekedi. Image na yazala ki nango ya leader Maximo, Bino bo diminué yango. Bino bato boza ko se faire l'arrogance que to tche boy, bo diminué ye. Vous lui avez fait perdre cette partie. Il y a notoriété à Zala Kinango qui pouvait même le permettre de parler Nabamindere, de parler par-ci, par-là, que j'ai le peuple derrière moi. Maintenant, je ne pense pas qu'il pourra dire que j'ai tout le peuple derrière moi parce qu'il y a le fait que Ata Moutoumoko, à Zala Kiwana contre, que Kei Naba service secret Nabango, et là qui sait déjà que ce homme, problème Mokweza a commis un peu pour diminuer la popularité. Est-ce que vous aidez?
Ce qui vraiment vous dirait que vous aidez, vous devriez trouver un consensus avant de faire cette manifestation. Fallait trouver un consensus. Mais vous aidez était binon. Comme c'est pour ça, je reviens à ce que j'ai dit. Ce sont certainement des opportunistes qui veulent forcer en passage pour Bamoni, tremplin dans l'ango, dialogue, tremplin dans l'ango Tshisekedi. Mais est-ce qu'ils ont fait ça vraiment pour l'âme de Tshisekedi, pour la vision de Tshisekedi? Personnellement, je ne pense pas. C'est ça mon analyse. C'est lui le grand perdant. C'est pour cela que j'interpelle Bandekwa UDPS, beaucoup Kotika, président Abinoté, qu'un groupe des individus, pas Sambou Saeboué, quand même. Et si on a, tout le monde a là-bas, et le bio Yves, que Kabila est sécurité, et si on a une image ligne, si on a Congo Mikila Lekisa, tout le site Mesusu, que tu sais qu'il y a Zoloba quelque part, sécurité est là. Et si on a, mais pour l'année Bandekwa UDPS, Kotika, Sambou Sa président Abinoté, vous devez vous lever. Analysez qui s'accapare de cette affaire dialogue. Parce que comme il est psycholoco là, hein, quelque chose qui se vend bien, et vous les risquez maintenant et glisser binon à ma boko. L'idée, comme j'ai dit, peut être bien, mais aujourd'hui, c'est lui le perdant. Son image est fissurée, son leadership fissuré à cause de ces gens qui, probablement, ont des mauvaises intentions, de fonds de commerce. Vous voyez ça? C'est eux le perdant, c'est lui le grand perdant. Et on l'insulte, bon, je ne suis pas pour les injures, mais quand on fait ça, vous donnez l'occasion, vous les membres de l'UDPS qui avaient l'âme du parti, bafinga, nan yangwa tika papa ne bafinga, ata papa nga za soula, ata papa langa alinga basina baba, mais ceux qui n'ont pas zofinga na ko telema na ko défendre papa langaï, n'est-ce pas? C'est la même chose, les gens de l'UDPS devraient défendre et arrêter ce scénario, ce cirque-là. Ça, c'est le grand perdant. Mais qui sont les gagnants? Hein? Je vais m'arrêter là. Mais les gagnants, ce sont tous les ennemis du Congo. Je vais vous donner seulement trois éléments. Premier élément, aujourd'hui, au moment où on vous parle, aujourd'hui, la nouvelle est sortie. Karen Zila, le chef de renseignement à Rwanda, va décharger à Zozonga Rwanda. Mais au lieu de faire tout ce qu'on pouvait pour tout coincer, si quand on a tout ça, ma manifestation, kuna, kuna dialogue, mais t'as là, ennemi, abomi, batou. Ennemi au basita dans le rapport, ennemi au amemi Congo na se, bato ba koufi, ba famille ba koufi, biso ba ta droit de l'homme tozala ba rapport au kutu, mon rapport mususu kangi kakapo, okoko mona te okoli a te jour wana, mais mutu wana ba bimisi, bazo bimisa ya zo kende, yango nanya gagne sikolo. Bino ba pro le 8 août, to, pato yo, ba bimisi karenzi, parce qu'il y avait peut-être pas assez d'évidence ou pas de pression. Un autre cas, il y a eu, il y a quelques semaines, le 3 ou 5 août ici, des jeunes leaders africains. Il y en avait 500 avec les États-Unis dans la conférence. Ces 500 leaders africains sont venus spécialement parce qu'ils avaient été, ils ont participé à un programme de sélection, on appelle ça Young African Leaders, YALI. Bobetta, on a internet beaucoup moins, hein? Baillé pour 6 semaines qu'on soit formation. Mais pendant que vous, les Congolais, vous êtes en train de danser, de pro-dialogue ou pas, je vous informe qui sont venus du Congo. Et d'ailleurs, comme critère de sélection, sélectionnaka, ONG ou bien entrepreneur, mais entre 25 et 35 ans. N'a pas information aux Ouaka. On a vu, il y a des gens qui sont venus, soit disons non du Congo, qui avaient connotation rwandophone. Et ils sont allés se faire former sur 3 points. Il y a Liboso, leadership. Il y a mis Balé, gestion et la chose publique. Il y a mis Satoubake, qui se faire former sur l'entrepreneuriat. Naba université a mis Nene Batamboli, États-Unis, Mobimba. Bazu, notion, wana bake, ko sae la wapi na Rwanda. Nde konanga Congolais. En tout cas, ils ont passé. Donc, au lieu de les Congolais, Natal a comment participer. J'avais dit ça une fois, dans l'Oba, une fois, la dernière fois, je crois, dans Yaki. Au lieu de Natal a participé de l'Okwana, et à la fin, on a dîné dans Obama. Obama a parlé avec chaque représentant. 500 représentants, on a solo lina Obama, Baloba Ninini. Mais supposons ce qui n'a pas été yo. Tozala qui wana bon, peut-être ce que vous en avez 35 ans, t'es supposons, mais Ngaïna, supposons que nous avons entre 25 et 35 ans, nous nous sommes retrouvés là-bas, combattants, puisqu'il faut être soit résident au Congo, soit congolais, des nationalités.
Mais vous ne savez pas ce qu'on pourrait donner comme message à cet homme? Lobini ni bozoluga. Lobini ni tozoluga. Ouais, negani ni tozo perle. Yango la zoluba. Bah, pardon, ils a ba pongwanda, hein? Oh, bruit bozoluba ba pongwanda. Bah, pardon, ils a yonangaï congolais. Oh, tozo tika. Bah, tout. Ni susu. Bah, sala moussala. Yango la. Pour qu'on soit libéré. Bon. Zambi kaka. Ok, on va directement passer au deuxième sujet qui est sur la répartition des sièges pour les élections provinciales. Et, le journal, je crois, Africa News, titre Kamere coince Tshisekedi et Kengo. Est-ce que vous pouvez rapidement expliquer aux auditeurs de quoi il s'agit et quelle est votre réaction par rapport à ce deuxième sujet? Oui, avant d'entrer dans le deuxième sujet, j'aimerais revenir un peu sur le premier sujet quand j'ai parlé sur le sommet des jeunes leaders africains. Bien qu'on a raté celui de 2015, il y aura un autre en 2016 et cette fois-là, on va faire venir 1000 jeunes africains. J'exhorte nos frères et sœurs congolais. Application Ekobanda en octobre. Nous allons passer le message à Congo Mikili. Nous allons tout faire pour le Congo Mikili mette à la disposition l'information pour les jeunes entrepreneurs congolais. Faites des demandes d'application. Et ça, la place, oh, le Congo a la place, il y a mon aîné, on réserve un quota pour le Congo, mais ce ne sont même pas les Congolais qui y participent. Vraiment, si vous aimez le Congo, vous êtes réellement combattant, saisissez cette opportunité-là. Voilà un peu, j'aimerais revenir sur ça. Par rapport au deuxième sujet, donc Kamere Kouassi Tshisekedi et Kengo, j'aimerais te recontextualiser Ango Lissoussou. Journal Abimisi Yango est dans le contexte de la candidature pour l'élection provinciale. Après si liste na ye, il y a un candidat. Et numéro 1, Aza ou a déposé ma candidat et belé, Aza va taper PRD, 692 candidats. Suivi à battu à UNC, Azan a 523 candidats qu'il a répartis sur 150 circonscriptions au niveau du territoire national. Et puis, après ça, MLC, il y a Jean-Pierre Bemba, Azan a 519 candidats. Donc UNC 523 et UNC 523 et MLC 519. Mais il y a à répartir Bango dans 158 circonscriptions, c'est-à-dire au moins Barosa a représenté un peu plus que UNC, au hasard dans 150 circonscriptions. Et en troisième, enfin quatrième position des UDPS, il y a à hasard dans 276 candidats qu'à répartir dans 81 circonscriptions. Et à la fin, cinquième position, ils ont battu à Kengo UFC, ou Azali, na 262 candidats, et à répartir Bango, na 62 circonscriptions. Bon, bah, parti Moussou Cézanne, à Sénéti Roubéwa, Yépé Aza, hein, Aza, na 190 candidats, na Yé, à répartir Bango, P. C'est pour cela, je voulais attitrer que, vu le nombre, hein, bah, candidats, 519, 523 candidats pour UNC, contre 276 candidats, pratiquement, presque le double, hein? Hein, l'UNC a presque le double par rapport à l'UNC et à l'URC. C'est un wana, journal wana a titré Bongo. Alors, voilà un peu contexte pour l'analyse du journal à l'Obi Bongo. Et l'analyse que nous faisons, c'est celle-ci. Encore une fois de plus, on a précis trois faits. Trois questions, si vous voulez, appelez comme vous voulez. Premièrement, l'UDPS, 276 candidats. 276 pour les Français et Québécois. Alors, mais l'UDPS a, comment ça, l'UDPS va au dialogue ou aux élections? Puisque, comment ça, je ne comprends pas. 276 candidats, oh, mais vous le dialogue. Mais si quoi, vous avez tous pas candidat à l'élection. Si dialogue, mais pourquoi vous avez déposé une candidature? Vous avez la dialogue. Ou bien deuxième, mais si élection, mais pourquoi alors vous avez le dialogue? Meli Melo, c'est drôle. Hein? Pourquoi si je vais au dialogue, pourquoi alors j'ai déposé des candidatures? Bon, pourquoi si je vais aux élections, pourquoi je demande le dialogue? Répondant. Deuxième élément, ben, bon, supposons que oui, élection, mais les candidats là de l'UDPS, là, les 276 candidats là, qui sont-ils?
Est-ce qu'ils sont allés en ordre éparpillé, comme ils dépêchent dans le parti à démocratie, que bon, dans un membre, on a déposé Nanga, dans Kananga, tout dans un Isiro, dans Bounia, on a déposé Nanga. Est-ce qu'ils partent en ordre dispersé ou bien ils partent en bataille rangée, c'est-à-dire bah, qui ordre, ou ta hiérarchie, président de la Bangwa autorisé qui va déposer. Qui leur a donné l'ordre d'aller déposer les candidatures? L'ordre est venu d'eux. Ou bien, il n'y avait pas d'ordre, et Zara Ramounamoutou, à déposer candidature. C'est encore un autre problème, une autre question. Et troisième fait, UNC au Balobia, a 523 candidats. Regardez la stratégie de Kamere. Kamere utilise trois stratégies que j'ai analysées cet homme. Que vous l'aimiez ou pas, mais je suis analyste. Je ne suis pas ici pour dire qui a raison, qui a tort, mais pour analyser les choses telles qu'elles sont. Sa stratégie, pour analyser, bah, fait une nuance, bah, aptitude, une nuance. Que vous l'aimiez ou pas, comme je répète, mais écoutez, il a noyauté. Il a noyauté l'opposition. Il s'est infiltré partout. Et il a réussi. Dites-moi, vidéo nini, oh, Boromo, on a l'opposition sans Elongia Kamere. Mais Boromo, là, bah, vidéo, bah, Elongia sous ses angles, hein. Elongia, bah, opposant sous ses angles, autoyébi. Mais dans mon an, vidéo, t'es, sans la monnaie Elongia Kamere, il y a Fayoulou, il y a Eve Bazaïba. Hein? Voilà sa stratégie, la visibilité. Comment vous voulez voir dans la 523 candidatés? Deuxième stratégie à utiliser, c'est la stratégie de la fourmi. Vous savez, fourmi, stratégie des animaux. Fourmi, ce qui il y a une fourmi qui a des antennes. Il y a azarana, bah, antenne naé et pesake bah, à repérer sucre ou bien nourriture place les alliés. Et dès qu'elle repère ça, elle rentre informée à ses autres sœurs. Bilo zakuna, boya. Et Boromo Narango. Baroya moko na sima muninga, mulongo, koya, et elles vont entourer leur proie. Et tant que Baroko ma ebele, a bako mi force ko transporter, proie na bango. Mais c'est ce que Kamere a fait. Il a inondé les jeunes. Il a inondé les quartiers. Il a utilisé cette stratégie de s'infiltrer partout, d'entrer partout comme une fourmi, pour encercler la proie. Comment voulez-vous pas qu'il puisse la prendre? Pendant que toi et moi, on est là et tout, on critique et tout, mais regarde ce qu'il a fait. Pour preuve, 523 candidats. Il a eu sa... Il entoure sa proie et il va la prendre. Mata Kita Zonga Kende, il va la prendre. Parce qu'il a utilisé la stratégie de la fourmi, une stratégie très connue des Rwandais. Bato, Bino, Ouzoura, Bloro, Oso, Ouzala, Mato, Emilaï, Boyebi, que stratégie à Rwandais, à la fourmi. Vous voyez ça? Bon. Alors maintenant, une autre stratégie, il s'est adapté aux circonstances. Regardez comment il change de couleur comme un caméléon. Mais c'est simple, il observe. Qu'est-ce que les Congolais aiment aujourd'hui? Détrompe-toi, mon frère et ma soeur, aux ans de la diaspora. Congolais à Kinshasa, au raison d'être Yonangatin. Congolais à Kinshasa, il y a Kolinga Mouto, Azo Salisa, Mouto, Azo Populaire, Mouto, Betaka Bali, ou Azo Sportif, ou Azo Populaire, ou Alinga Musique, Ndeya Kupona. A coponate mouto, net yonanga toujours analysa. Et Kamere n'a fait qu'utiliser cette stratégie, offrir le produit qui se vend bien. Maintenant, regardez, avec cette stratégie, où est l'UDPS dans tout ça? Puisque le titre, je reviens à mon titre. On a dit Kamere est coincé l'UDPS. N'a aucun côté parce que bon, on ne sait pas trop pour qui il roule, mais je rentre l'UDPS Kamere. L'UDPS a utilisé quelle stratégie? Oh, le loi qu'on permettre yé, azwa proua na yé. Alors, en conclusion, mais regardez l'âge, il n'y a pas parti où on a tangi. L'UDPS a 33 ans. MLC a 12 ans, je pense que MLC, enfin Naba Mikolo, UDPS a 33 ans, après on a PPRD. Azan a 13 ans, Azan a créé en 2002, en avril. Après cela, vous avez le MLC, Azan a 12 ans, bah, créé qui est en avril 2003. Et puis, vous avez UNC, bah, créé en 2010, Azan a 5 ans, enfin, Roukouk, ça 5 ans en décembre. Mais, Tala va partir au Banamikie, Bakomikobé, Tanmukolo, UDPS. Pourquoi
les petits frères commencent à frapper le grand frère l'UDPS. Pour nanini banamitié ba partie botami kalate. Ba komi ko beta yaya. Atana famille yo yaya. Soki leki ba komo finga yaya. Soki leki akomi ko manke yo. Ata leki yo na mbongo. C'est que yo yaya otikelie accès. C'est que yo yaya otikelie place. Yango na zongi le sous l'UDPS bola muka. Pourquoi baleki bino moza 33 ans mukolo koko bala pe ozape na mwana déjà? Mais au tiki mwana 5 ans a betayo. C'est-à-dire moza na problème makasi ya ko s'organiser. Na yora ki bo convoqué parti na bango, ba convoqué nani congrès na octobre, on ne sait pas si c'est confirmé ou pas. C'est une occasion de se réorganiser. Parce qu'ils doivent adapter leur stratégie. Bazo sa la ba stratégie à Kalayabane 90, 95, et si mbazo te, caméra zo offrir produit. Oyo, et ça qui toko, et bien l'UDPS doit adapter aussi le produit qu'il offre. Pas plus un produit périmé. Vous voyez ça? Donc c'est ça qui fait que les hommes comme on a. Pourquoi l'UDPS, aujourd'hui, 33 ans d'âge, n'arrive pas à se représenter dans toutes les circonscriptions? Pourquoi n'arrive pas à donner même 10 000 candidats? Parce que les autres anakati, pas bongisa. Babongisa, Bakomona, c'est très facile pour l'UDPS organisé d'avoir même 100 000 candidats. Très simple, petit problème, connaissant ce parti-là. Mais suite à des organisations, il y a un le lobo, Bakomikobimisa, qui est l'UDPS, Bazoko Batreye. Vous voyez ça? J'espère que l'UDPS a ko la mouka, a ko tikate, ba opportuniste, ba s'akapare na ye, ou a ko tikate, ba te ba traîner dans la rue comme cela. Parce que l'UDPS représente beaucoup par rapport à l'UNC, que vous aimiez ça ou non. Mais l'UNC est plus organisé que l'UDPS aujourd'hui au moment où je vous parle. Mais si l'UDPS prend ce qu'il a comme force d'être plus grand, plus âgé, plus expérimenté, et cherche un peu à s'organiser un peu plus, mais ça sera, je pense, ils vont reprendre leur place sur la scène et ils vont l'UNC alors beaucoup l'accès à l'UNC aux allées qui aux années 5 ans qui est la première gardienne. Oui, alors le dernier sujet, c'est le pasteur Moïse Ndiye qui réclame 500 000 dollars à la société Vodacom parce que sa chanson aurait été interprétée, a été interprétée par le candidat à Vodacom, à la compétition Vodacom Best of the Best, la deuxième édition, Christian Morioli. Pour ceux qui n'ont pas suivi ça, c'est un peu comme une version des American Idol de Kinshasa où des jeunes artistes interprétaient les diverses chansons de ceux qui sont connus. Et contrairement à tous les autres artistes chrétiens, Naya Mokili, il n'y a que Moïse Ndiye, selon le journal, qui réclame 500 000 dollars à Vodacom. Que pensez-vous de cela? Ok, on va encore reconscrire ça, recontextualiser ça. Qui est Moïse Ndiye? Nabato Baebi Moïse Ndiye était. Azali, il est né à Kinshasa le 9 septembre. Bon, d'une certaine année. L'année n'est pas importante à savoir ici. Et il est le cinquième d'une famille de 9 enfants. Il est le fils de l'apôtre Emmanuel Mbiye, qui est le fondateur de l'église Cité Bethel, qui est à Limété, à la première rue. Et Moïse Mbiye a succédé à son père. Actuellement, il est le représentant de l'église parce que son père, Emmanuel, aurait... Il est malade, il semblerait, comme je dis, il faut prendre ça au conditionnel, qu'il aurait été empoisonné. Bon, on n'est pas des médecins pour attester ça, mais c'est ça la rumeur. Alors, donc, moi, nana yé, à Zui, place. Bien ou pas, bon, ce n'est pas notre sujet ici, mais il est là. Et il a aussi étudié en théologie, aza na diplôme na yé à théologie, mais à yé mbakapé. Il chante beaucoup de chansons, puis mis sa album est belé, ça la promotion de l'album n'est pas arrêté, mais bouquet na YouTube, sur vos petits bonbons. Alors, na koyemba yemba na ye, bon, il est aussi célibataire.
na kuyemba yemba na ye. Il a, comme tout le monde, il l'a dit ici, voilà comme Best of the Best, c'est ça, show moko pour na promouvoir ba talent ya Congo. Et bon, cette année-ci, ça a été sponsorisé par Nathalie Makuma et un autre artiste, Mohombi, qui est un pop star, Aza papa na un congolais, maman est suédoise. Il vit entre les deux pays, mais Yembaka, Yembana, artiste musicien et belé, Yembaye Mingi, et il avait volontairement pour sponsoriser Gagnon, ça a débat tourné, à promouvoir Gagnon, il y a classe, il y a 2015, il y a Best of the Best. Et Azala qui parmi juge il y a Nathalie Makuma, il y avait un troisième qui s'appelle Richard. Azala Kiwana et Bapona qui gagnant, un jeune homme, un certain Ouseni, Papikero, à Yemoutou, a gagné 100 000 $. Bon, comme on sait, il l'a dit, Best of the Best, c'est Nati, mission Nyons American Idol et tout, pour la repromouvoir, talent. Et Nabani, il y a surtout, visera qu'on développe dans l'interprétation. Au moment de la musique, même dans l'art, il y a plusieurs parties. Hein. Il y a la composition, il y a aussi ceux qui composent, donc mélodie, à composer, il y a aussi ceux qui écrivent les paroles. Le musicien n'a pas besoin de dire que la parole était, et puis papa Lutumba, après ça, il y a des gens qui ont été, voilà, ils ont bien été, mais papa Lutumba, c'est l'un des paroliers, après ça, il y a des gens qui ont été. On y même Alain Makaba qui aussi était parmi les arrangeurs, les techniciens à Best of the Best. Il y a un salaire qui a travaillé, qui n'a pas eu un candidat, qui a été un des paroliers et a aussi un arrangeur. Donc, il a permis l'interprétation. C'est lui qui sélectionnait la catégorie des chansons. Et il a sélectionné plusieurs artistes. Il y avait même un jour, il y avait les 10 commandements, il y a Best of the Best. Il y avait un jour où on avait dit, tu chanteras pour le Seigneur. C'était un, enfin, journée où on est là qui a gospel. Et Yembaki, Banzemwebele, il y avait une chorale, Luc Gillon, à Zalakala Campus, Yemuto accompagna qui, artiste au Yembaki. Donc, vous voyez, il n'y avait pas que les chansons d'Amoïse Mbié, il y avait aussi beaucoup de chansons. Mike Alambaye, ma musicien Ebele Anzambe. Interpréta qui ba musique na bango tout comme aussi Fali et même Papi Kero le gagnant, j'ai vu ça moi-même, il a gagné et même moi j'ai regardé ça, j'ai dit aux gens qui étaient avec moi, ce type il va gagner parce qu'il a première à Yembaki deux fois, première fois Yembaki Nzembo oh ya Nyokalongo Vimba tout ça Massiska et ça avait fait danser même les juges. Vous voyez, bon, je n'ai pas vu Nyokalongo gagner na Nzembo na ye. Mais je n'ai pas vu Agnio Kalongo venir demander, Mbongo, pour la nini, yo zi 100 000 $, kate la ramwa parti nangai, pour ou bini si nzembo nangai yo, juge ba bini, donc ou gagne nan nzembo nangai. Je n'ai pas vu ça, je n'ai pas vu le président Jossa venir parler comme ça. Ouais. Et même celle qui était sortie deuxième, yemba ki ba nzembo ebele, ma Miriam Makeba. La moni bangote, place bayaki ko sengambo. Mais oye koutou, na ebite nzembo na ye, ebimi kontiem, parce que best of the best, on avait aussi dit les meilleurs hits, c'est-à-dire téléchargement. Hein, parmi les performances, il y a musicien, pas musicien, il y a jeune talent. Wana. Dans la finale, il y en avait 5, mais au départ, il y en avait beaucoup. Mais sélectionner nzembo oye, télécharger mingi. Na mona kite, Nzembo a Moïse Mbié parmi les best hits. Yeah, les meilleurs Nzembo ba sélectionna ki, ou ba tout ba télécharge ki mix. Ça veut dire, mouta yembi na ye, mais les aki pendant l'impact était par rapport ya ba Nzembo ba tout moussousou oyo, na mona ki, surtout à la finale, ou nga mona yo kaki. Alors, mais sur quelle base maintenant, Moïse Mbié va s'appuyer sur ba pesae 500 000 $. Vous voyez, il n'a pas été bien conseillé. Alors, qui conseille bien que, parce que peut-être à éviter, Bilokwana, ils en ont un nini, ou peut-être il était entouré de gens assoiffés d'argent. Mais ça, c'est seulement se ridiculiser encore, parce qu'il devrait s'informer. Voilà, s'informer à Kende, dans la maison.
Pigma, puisque Pigma Moutou a comme qui classe best of the best au niveau son scénario n'est qu'au passé. Il fallait que Nena Pigma allait ma cab à sélectionner qui m'en disait pourquoi à tout na à s'informer pour abanda avant à kende ko senga mbongo. Et numéro 2, fallait qui 500 000 là sur base de quoi car abou et car va peser 500 000 montant on a fixé les apôts yaza na hit parade numéro 1 na Congo na ebité ceux qui vendent na Congo ba koebisanga ke manze mo zo renier mikolo yo ezana top eza banzi mo Moïse Mbilié ou pas, je ne sais pas, mais je ne pense pas, mais sur base de quoi il a donné 500 000 là, hein, montant en affiche à Bambiwana, est-ce que Zali et Lokoni Nitindi va payer sa montant là. Donc, conclusion, l'information est très capitale. Quand vous n'avez pas l'information, vous pouvez vous ridiculiser tant que vous n'avez pas de vous ridiculisez Péba Sali dans Zambé pour un pasteur, vous ridiculisez Péba Christou pour Bakoloba. Va tout mingi ndenge na pesi exemple là wa moto a gagné ayemba ki nzemba ya zaiko mais ba zaiko a réclamé mbongo te mais yo pour na nini yo musicien nzambe ok ko réclamé mbongo pe belé boui. Voyez comment l'information manque, voyez comment l'information est ko pe sa problème. Alors mon exhortation est à que ba conseiller na yeso azan ba conseiller ba informé ye a ça a peut-être discours, hein, du genre, voilà, Naïba quitté, bon, à s'amender, hein, il peut s'amender, espérant qu'il va, s'amender, et trouver un terrain de compromis, espérant qu'il ne va pas continuer sur ce chemin-là, et bon, voilà un peu ma lecture sur cela. Ok, merci, Maman Julie, comme ça, tu coutani prochainement pour la numéro de l'analyse du jour. Merci beaucoup, Congo Mikili. Donc, je vais lire les commentaires. Je n'ai peut-être pas toutes les informations. Si je manque une information, écrivez-moi. Je vais lire et on va voir comment on va toujours vous répondre. Merci encore. Et bonne soirée. Ok, merci. Bye-bye. L'analyse du jour.